Bonjour mes petits douceurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir bien sûr. Et je voulais vous parler... j'essaie de vous remettre un peu droit. Voilà, ça sera un peu mieux, je prends. Je voulais vous parler des livres que j'aimerais bien, mais je mets des parenthèses que je ne lirai peut-être pas, mais que j'aimerais bien quand même lire pour Noël. Voilà, ce serait ma petite pile à lire de Noël. Bon, je suis pas sûre de m'y tenir comme beaucoup, parce que j'ai plein d'autres livres qui me tentent. Voilà, oh, il y avait l'autre que je voulais choper, je sais plus où j'ai mis. Voilà, bon, je vais vous parler d'un des livres que j'ai toujours occupé de lire. C'est Joyeux Suicide et Bonne Année. Celui-là, il sera lu et terminé bientôt. Je serai contente. Je vais vous parler... Je ne sais pas toute l'histoire, pas tous les histoires, mais je vais vous parler de celui-ci, parce que je connais l'histoire. C'est d'une jeune femme, ne me demandez plus son nom, parce que moi et les noms, c'est deux. Je crois que vous commencez à comprendre. Elle a son papa qui est en train de mourir, elle n'a plus de famille, elle n'a pas de copain, elle n'a pas d'enfant, et elle veut se suicider pour Noël. Voilà, c'est une bonne romance. J'adore. Pour le moment, c'est un mi-coup de cœur. Voilà, pour la première. Une autre, c'est ainsi un vieux livre que j'avais déjà l'année passée, que je n'ai pas lu, qui est La douce caresse du vent de l'hiver de Clara Morgan. Voilà. Voilà. C'est une trilogie, je crois. Elle s'écrit tout petit, c'est ça qui me fait peur. Regardez. Vraiment tout petit. Ici, je sais pas du tout l'histoire. J'avais craqué parce que je sais pas si vous allez voir. Il y a des paillettes sur tous les titres. Enfin, c'est en relief et le titre, les dessins sont avec plein de paillettes et j'ai trouvé trop beau. Et voilà, il y en a trois. Du coup, j'ai le tome 1, je pense. Enfin, je sais pas, j'ai un doute parce que là, il est mis en troisième. Du coup, je pense que c'est le doigt le troisième. Du coup, je ne pourrais peut-être pas le lire. Il faudra que je me renseigne avant. Après, j'ai celui-ci qui me tente vraiment bien. C'est L'amour est un dessert qui se mange à deux de Celinia City aux éditions Non, c'est Parquette Cole. Voilà, de Celinia qui me tente vraiment. Si mon cœur était un gâteau, c'est à toi que je le donnerais avec plus grand part, ma plus grande part. Voilà, je sais que c'est Lilia. Il y a un homme dans la vie de Lilia. Mais voilà, j'en sais pas plus, j'ai envie de le découvrir aussi. Après, il y a celui-ci qui me tente aussi bien. C'est Joyeux Noël et Laissez-moi tranquille. Je crois que cette année, si tout le monde laisse tranquille. Parce que je pense que Noël... Mais moi, ce qui me fait peur, c'est vraiment écrit petit. Voilà. C'est célébrer la fête préférée de celui qui vous a brisé le cœur et pris un cadeau. Des cadeaux, ouais. Le pire des cadeaux. Le pire des cadeaux. J'ai pu lire, moi, aujourd'hui. Après, j'ai celui-là qui me tente vraiment. Et puis, je viens de regarder, je ne sais plus qui, en parler. Sur YouTube. N'oublie pas les chocolats de Tamara Balinha aux éditions Hugo Poche dans la collection Nous Romance. Ils me tendent vraiment bien. Et franchement, ça me donne vraiment envie de lire. Après, j'ai celui-ci. Les oubliés de Noël. Les miracles n'arrivent pas qu'au cinéma. Celui-là aussi me tente bien. C'est aussi de... Ah, c'est Manon Kaljak. Je ne sais pas si je prononce bien. Chez Hugo Poche, dans la collection New Romance. Franchement, je ne connais pas. J'ai lu l'autre fois. Le cadeau vient pas toujours du Père Noël. Voilà tout ce que j'ai lu. Voilà. Et New Romance se lit quand même assez vite. Voilà. J'ai celui-ci que j'avais eu en cadeau pour mon anniversaire. Si vous vous rappelez, j'ai fait la vidéo il n'y a pas très longtemps. Un Noël saupoudré d'espoir. Dans la collection c'est Nouvelle Plume, je crois que c'est. Chaque fois, je ne sais pas. Ouais, Nouvelle Plume. Je crois que l'édition, là, il est bien marqué. Hein. Nouvelle Plume. De Nathalie Brunal.
Voilà. Il me tente bien. Et il souffre parfois d'un peu de magie. Voilà. Il me tente aussi assez bien. Et puis, c'est un petit bébé, un petit cours. Quand même, il fait 300 pages. Ouais, 300. Ouais. Il fait même pas 300 pages. Il fait 259. Après, un gros bébé. Franchement, celui-là, il me tente vraiment bien. Mais si je lis celui-là, il va me faire un mois complet. C'est ça le problème. Les nuits enneigées de Castelcourt. De Holly Blubren. Édition Primac. Prismac. Prisma. Voilà, qui me tente vraiment bien. Du coup, c'est 11 ou 12, 10 ou 12 romans que j'aime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 romans de Noël que je voulais vous présenter. Il y a celui-là qui me tente vraiment bien. Et je crois que c'est un que je vais me plonger dans bientôt, celui-là. Il fait vraiment. C'est Le mariage sous les flocons de Sarah Morgan aux éditions H. Je ne sais plus. Je dis toujours que je vais me renseigner. C'est. Je ne sais pas. Voilà. Mais je trouve que la couverture est très belle. Tout ça, c'est pailleté. Voilà. Celui-ci, je ne sais pas plus non plus. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je sais bien qu'elle va vouloir se marier, mais il va y avoir un truc qui va se passer. La fille adopte son mariage pour Noël à 22 ans et on est prêt à s'engager pour la vie. Ce n'est pas qu'elle-même a fait avec Mick. Mais justement, voilà des mois qu'ils sont sacrifiés, séparés. Magali va devoir donner la chance au mariage, même si retrouver Mick la perturbe plus que de raison. Voilà. Il me tente bien. Ici, c'est trois histoires en un bouquin, c'est trois histoires de Noël. Voici, il est beau aussi, tout brillant. Et du coup, dans celui-ci, il y a la première histoire, c'est Opération Guirlande, Sapin et Chocolat Chaud, qui me tombe bien. De, je ne sais pas les noms, on ne voit pas bien. C'est Emma qui éteint une éteinte. Ça me tombe bien. C'est la fille, elle s'appelle Emma. C'est tout ce que j'ai envie de lire en fait. Ici, c'est la deuxième. C'est Et si on reste de Sarah Longer. C'est trois personnes différentes qui est dans ce bouquin. Le troisième, c'est Mon cadeau, c'est pour toi de Laurie. Laurie. Voilà. Ça a l'air vraiment pas mal, qui me tente vraiment. Et vous avez pas vu? Ouh, j'adore. Et partout, partout, partout. Les petits flocons. C'est mon premier livre comme ça avec les pages sur le côté. Après, il y a celui-ci aussi qui me tente. Celui-là, je l'avais depuis l'année passée. Qui est Je te ferai aimer Noël de Carole Lann. Je sais pas si ça se dit comme ça aux aiguillons. H. Je ne sais plus c'est quoi. La mission nous réconcilier avec le sapin vert et ses bonnets de Noël. Voilà. Noël pour certains est un enfer, le dîner de famille pour les autres un casse-tête. Des idées de cadeaux, mais pour moi c'est tout simplement la merveilleuse période de l'année, de la fête préférée. Et quand je pars participe à la famille Sulvige a proposé de m'embaucher pour créer espace de Noël dans leur foyer. Voilà, ça a l'air pas mal du tout, du tout, du tout. Et alors, le gros pipite, enfin, gros pipite, ouais, quand même, il fait quand même plus de 400 500 pages, celui-ci. Mais il est trop beau cette édition de livre. C'est comment on ne fait. Attends, comment on ne pas faire
péter à Noël quand on est célibataire. De chez Joanne Boucli. Par contre, l'édition, je ne sais pas. Hauteville, Hauteurville, je ne sais pas. Il est trop beau. Regardez, tout est beau dans ce livre. Tout est magnifique. Noël, le cauchemar de tous les célibataires. Parfois, c'est vrai. À 38 ans, Émilie a un travail fantastique. Oh, je vois pas que les reflets, c'est chiant. Les fantasions de ses amies fructueuses et surtout un appart merveilleux situé dans un concentré de kilomètres de la famille, entre intrusive, seule sous les stress de Eva, son jeune voisin qui fait beaucoup trop de bruit la nuit, mais qu'il apporte heureux en couple. Avec Robert, Émilie espère bien inviter chez elle pour Noël et lui présenter ses parents le temps des questions intrusives et des modalités. Enfin, derrière elle, mais quand elle aperçoit que Robert lui ment depuis le début, Émilie décide de rompre. Et maintenant, comment affronter la famille pendant les fêtes? Elle fait alors appel aux fêtes d'à côté. Voilà ce qui est marqué. Ça me donne vraiment envie, mais il fait quand même pas mal de pages, celui-là. Ouais, 474 pages. Bon, ça a l'air écrit gros quand même. Ouais, ça a l'air écrit gros. Peut-être peut passer vite aussi. Voilà pour mes petites romances de Noël. Dites-moi en commentaire lequel que je dois commencer, s'il y en a un qui vous tente. Je pense que cette vidéo va être mise. Je vais les tourner aujourd'hui, mercredi, le 25. Je pense que maintenant, je vais la monter directement pour vous la mettre vendredi 26-27. Voilà, vous l'aurez vendredi 27, si je dis pas de bêtises. Que demain c'est jeudi, c'est 26, du coup 27. Ouais, voilà, je vais la monter et la programme. Oh, j'ai le hoquet qui me remonte, enfin le hoquet qui m'arrive. Du coup, vous l'aurez dans la foulée en même temps, comme ça, ce serait chouette. Vous me direz quel livre que je dois commencer. Est-ce que je continue un livre de Noël ou est-ce que je prends un autre? Bon, voilà, je ne sais pas, j'hésite. C'est vrai que si je veux lire tout ça. Faut que je m'y mette maintenant, mais je crois que je vais avoir dur. Surtout que je lis entre 2 à 3 livres par mois. Du coup, des 103 livres, ouais, je ne lirai pas tout, quoi. Allez, jusque janvier, fin janvier, même début février, ouais, peut-être 6 livres, mais je suis pas sûre. Je verrai bien. Enfin, vous aurez un point lecture de mes livres de Noël. Je sais pas, fin janvier, je verrai bien. Faudra que je regarde. Bon, sur ce, moi je vous souhaite de mettre plein de petits pouces bleus, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais mon Instagram est en barre d'infos. Venez me rejoindre où je fais plein de petites stories quand j'ai les moyens, parce que hier j'en ai pas fait. Voilà. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde! Bye bye!